le deal Papa Pitchy et le remaniement ministériel. Et ça, c'est à un moment que ça a eu Jagnat, il disparaît. Et puis, c'est pas 15 jours, 3 semaines, il disparaît complètement. En tout cas, en ce qui concerne nous, le deal Papa Pitchy, sans passeport à l'élection générale, nous plus compte qu'ils amènent. Et il est facile de constater dans quatre coins de pays que la population aussi compte sa deal Papa Pitchy sans passe par élection. Là. Et quant à nous, nous mettons Pravin Jagnat, nous mettons MSM au défi d'organiser un référendum. Là, sa deal Papa Pitchy. Sinon, bizin passe par élection générale. Et si Bizin a jusqu'à démission en bloc du Parlement, nous préparer pour examiner ça aussi. On prend note de l'indécence avec laquelle MSM finissait et peut continuer à acheter député du PMSD. Et nous dénonce le plus vigoureusement qu'il nous capable sa bonne tentative de MSM d'acheter encore plus de transfuges. Et il est clair que le but, c'est essayer d'arriver à une majorité de trois quarts. Si quelqu'un n'est qu'un bon la loi pour empêcher transfugiste, nous vous votez naturellement. Mais il n'est pas facile. En gros, le transfugiste, c'est une pourriture. Et aujourd'hui, le MSM a la sécurité de l'État. Nous venons de l'autre moulin. À niveau de Jagnat, il y a un taux, vigne, rédiment à la France de ratifier l'accord de protection. 5 ans. Alors, qui ça l'accord là, tu signais initialement pour 5 ans. 18 janvier, on a débat de vote, dans une catastrophe là, vous voyez, le gouvernement français retire la motion de ratification. Tu prévois sa qualité. Cafouillage. Mais arrête fané. Ce qu'il nous demandait, c'est que Maurice retire officiellement sur l'accord à concession et prépare entre amis.